Allez, nous sommes vendredi, porte du week-end. Ce soir, il y aura du fun, assurément, il y aura beaucoup de rire, mais il y aura surtout beaucoup de palabres et d'éclats de voix. Et j'en veux pour preuve, on n'a que des dames en plateau ce soir. Donc c'est charmant d'avoir que des dames, mais ça ne vient pas sans les palabres. Il faut qu'on se crêpe les chignons. Ce n'est pas plus mal pour l'audience de cette émission. On a en plateau Poupette et faut rajouter Star, celle qui nous a développé lors de son dernier passage le fameux concept du truc-truc, qu'on ne maîtrise toujours pas. Bon, enfin, c'est pas grave, on va se limiter à cela. Jaël Bonny qui répond aussi ce soir à l'invitation de la télé d'ici, qui sera live d'ailleurs en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. On va un peu dégamer, assurément, puisque Prissy est avec nous. Et puis la jeune pousse de la musique R&B made in Côte d'Ivoire, ex-Nafasi, enfin, Ozois de Nafasi, désormais Yilim, qui a sorti d'ailleurs un tout dernier single. On ne va peut-être pas l'écouter ce soir live, mais peut-être un bout, en tout cas, dans le medley. Voici planter le quorum pour qu'il soit atteint. On va rajouter Gliss. Pour les cœurs sur Facebook et rajouter Sonia pour beaucoup de complaintes. Voici présenter le décor de la télé d'ici. Porte du week-end, fun, rire, palabre et victoire au bout du compte. Bonsoir. Bienvenue. Avec de très belles femmes ce soir. En principe, il ne devrait même pas avoir d'affrontement, on devrait juste les regarder, les présenter et puis voilà. Attendre quelques petites minutes. Pendant 1h15, on les regarde. Voilà. Go. On devrait avoir pour son compte. Ça va Sonia? Ça va, mais Cheikh, l'introduction, tu as dit qu'il y aurait des palabres parce qu'on est des femmes. C'est un peu sexiste de dire ça. C'est vrai, tu penses ça aussi Jaël? Bon, comme on a la même équipe, oui. Non, non, je veux... Pour l'instant, on n'a pas défini les équipes. Hein. Non, on n'a encore rien dit pour l'instant. Non, mais pas parce que nous sommes des femmes, mais juste parce que c'est... On va jouer un peu, quoi. Donc, du coup, on ne sera pas trop à Miami. Ben voilà. Ça, c'est une façon très jolie de dire qu'il n'y aura pas l'arbre. Poupette, il n'y aura pas l'arbre ou pas? Palabre, c'est sûr. Ben voilà. Il y a pas la face, moi, j'aime beaucoup la franchise de Poupette. Palabre de Poupette, ça fait peur. Hein. C'est pour cela qu'on la reçoit encore une fois dans cette émission. Je l'ai vu sur Facebook dernièrement. Dans... C'est vrai? C'est les palabres, c'est dans la bouche. Non, mais est-ce que dans la vraie vie... Non, ça, même dans la vraie vie, non. Oui, dans la vraie vie, non. Par contre, Prissy, elle, dans la vraie vie, elle est faite. Non, mais c'est quand tu as dit palabre, mais je ne me suis pas sentie concernée parce que nous, palabre, bavardage, c'est nous, normal. Vous, c'est... Ça, voilà. Je vais parler comme les Ivoiriens. Sonia, tu as entendu, non? Moi, je suis bété gourou. Hein. On est bété aussi. Ça, c'est pire. Moi, j'ai grandi chez les bété. Baoulé qui a grandi chez les bété. Moi, j'ai grandi à Gagnoua. D'accord. Et puis, il y a Yakuba. Ça, c'est un plateau surchauffé. Il y a une sorte de lave de volcan en dessous. Là. Là, ça va exploser là, ce soir. La dent de moi, aujourd'hui, va rentrer en ébullition. C'est ça. Très bien. Vous allez bien, mesdames? Oui, ça va bien. Waro, waro. Tu as repris quelque chose aussi avec Yodé et Siro? Coco. Oui, j'ai repris Coco. C'était très bien sur la scène, on l'a écouté là. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Tu peux refaire ça juste en 30 secondes. C'est fait. Coco. Coco. Un coco. Un coco. C'est moi que j'ai choisi. Et ça donne. C'est toi que. C'est toi que j'ai choisi parmi tous les hommes. Pourquoi me piquer dans le dos? Coco, un coco, c'est toi que j'ai choisi parmi tous les hommes. Ouais. Oh. Pourquoi me piquer dans le dos? Oh. Oui. Alors, tu sais, là, quand tu sentais tout à l'heure, j'essaie de visualiser. Oui. Prissy et Poupette, non, en train de danser au son de ça. C'est pour ça que je suis en train de se battre. Non, Poupette, c'est gérable. Tu vois, un peu à la limite. Prissy, elle, généralement, elle est dans... Elle, c'est pas vos douceurs. Elle s'est bien... Yeah. Ah, elle s'est fait la formation, elle c'est la formation en fait, de Prissy. En fait, moi, c'est ce qui me plaît. C'est où tu t'attends pas à moi, là? Elle prend le coco tout seul. Parce que Prissy, elle danse. Tout de suite, les menaces, franchement. Il y a des menaces. De grâce, le bon ton, le fair play. Pas de palabre, en tout cas pas maintenant. On va regarder d'abord ce que Prissy.
D'accord. Fait de sa vie. Encore. Hein, ça s'appelle le medley. D'accord. On a préparé quelque chose. En dehors des palabres, elle fait aussi d'autres choses intéressantes. Ton nom est gâté. Ton nom est gâté. Catégorie numéro 2. Les belles sœurs. Elle connaît les 15 copines de son frère, mais quand elle te voit, ma titulaire. C'est dit, oh, la chanteuse de couper les calés là. Donc si c'est pas j'ai des reins et puis tracé là, y a pas autre phase. Là. Pas, mais nous aussi, nous sommes des femmes battantes comme Diabasora, Coco Emilia et autres. Nous nous battons dans la vie. Donc à un moment, arrêtez de nous mettre la pression. On fait des selfies. C'est pas qu'on n'a pas envie de payer, on a envie, mais c'est juste que vous nous mettez la pression. Voilà. Il y a un pas qui est un peu drôle que j'ai vu tout à l'heure, c'est tu fais comme ça et puis comme ça. Oui, c'est le pas du Goboïse. Ça veut dire quoi? À cause des fesses. À cause des fesses. Dans la chanson, je parle des tontons justement qui suivent les petites filles qui ont des fesses, qui ont l'âge de leur enfant. Ce qu'on appelle aujourd'hui phénomène Sugar Daddy. C'est ça, c'est ça. J'ai chanté ça il y a quoi? Non, Sugar Daddy, est-ce qu'il donne toujours. Enfin, généralement, il donne que l'argent, non? Ça dépend. Maintenant, il y a les Sugar Daddy et puis il y a les Papa de Grasso. Papa de Grasso, ça, c'est quoi? Bah, souvent, ils ont le physique du Sugar Daddy. Ouais. C'est le moyen de pop. Ça dit quoi encore? Tu n'es pas pro, tu ne peux pas distinguer. Parce que le Sugar Daddy, généralement, il est frais. Oui, vois, avec la barbe, poivre, sel et tout. Pourtant, il y a ça à Yopougon. Il mange pas au Yopougon. Mais Yopougon, il y a des couilles. On s'attend à ce qu'il mange caviar, en fait, oui. En réalité. Ah, c'est pas le truc. Vous savez, quand tu le vois, il donne le genre de Dubaï. Attends, c'est... Attention, Dubaï. Sur ce plateau. Ah, là. Nous parlons de Dubaï. Dubaï. On a juste dit Dubaï. Hein. D'accord. Regardons ce que fait Jaël Boni. Elle ne va pas à Dubaï. Elle chante. Bah, pas encore, mais oui. Je chante. Reste là. Ah, tu veux y aller ici, on va écouter. À Dubaï. Allons, on medley, c'est mieux. Salut, hôtel. Espérance. C'est toi que j'ai choisi parmi tous les hommes. Pourquoi me piquer dans le dos, coco? Ah, coco, c'est toi que j'ai choisi. Nous formons une corée. On a l'impression que cela. Tu as des airs de diva sur le dernier extrait. Avec le chapeau. Ah, ça fait plaisir, vraiment. Hein? Harmonie, symbiose parfaite avec la nature. Quand je vois les anciennes vidéos, j'ai envie de dire, mais j'étais bien jeune, hein? Oh là là, quelle tristesse! Non, quand je vois les anciennes vidéos, on voit surtout cette coupe, cette chevelure. Oui. C'est particulière. Ça. Oui. J'aime les couleurs, j'aime mes cheveux crépus, donc je m'amuse un peu, ouais. Là, je suis un peu sage avec ma tête, mais on ne sait jamais avec moi. On ne sait jamais. Ils ont écouté ta version, Yodé Siro, de Coco? Non, pas encore, je crois. Si, ils ont écouté, ils ont trouvé que c'était bien. Parce qu'après, j'ai envoyé l'extrait à Siro. Oh là là, super, merci beaucoup. Je propose à présent qu'on aille visiter Notre-Dame de la République, très très spéciale, les trucs. C'est un concept que seul Gliss et Poupette Star connaissent autour de cette table. La République des trucs. On va la visiter. Normalement, quand tu dis truc, il y a la gestuelle qui va avec. Ça, c'est pour faciliter la compréhension. C'est-à-dire? Truc, tu vois. Église.
Comment s'appelle ta danse là? Goboïsé. Bon, restons sur le goboïsé. Ça va mieux. Goboïsé. Allez, la gestuelle. Goboïsé. Ça fait gobo. En fait, tu aimais la gestuelle. Non, non, non. Mouvement, mais tu restais sur le bélier. Non, non. Je suppose qu'il faut. Non, ça vient au milieu et ça descend. Non, je veux savoir une chose. Je suppose qu'il y a un synchronisme parfait. Quand on dit go, ça doit faire go, bo, isé. Ou bien c'est gobo, isé. C'est ça, gobo, isé. Exactement. Gobo, isé. Ah, tu t'y connais. Hein. Alors, tu dois danser la tuer. Tu es très souple, hein? Merci. Oui. Ça se travaille? Non, naturellement. Hey. Je vais prendre des cours, en fait. Non, tu veux naturellement souple. Ouh là là. Ouais. Je vais prendre des cours avec vous, hein. Non, ça dit qu'il n'y a pas de, y a aucun blocage, en fait. J'adore son professionnalisme morphologique. Professionnalisme morphologique. Non, mais parce que je dis, il n'y a pas de blocage, je dis, enfin, c'est... C'est ça. Elle est souple. Elle est très souple. On va commencer à prendre des cours chez Prissy d'abord. Igwesela, la souplesse, moi, musclée, la dure. Non, pas ça, mais écoutez. Mais attends, comment ça D'accord. Bon, allez, mesdames, ne commencez pas maintenant le palabla. Non, la guerre c'est tout à l'heure. D'accord, on était rejoints par Ozoa. Ozoa, ça va? Non, Yilim. Oui, ça Yilim, va. Ça va. C'est pareil. C'est pareil. Avant, quand c'était Nafasi, c'était Ozoa. Ouais. Maintenant, elle est seule, c'est Yilim. Pourquoi? Parce que c'est Yilim. Ce sont mes deux prénoms, de toutes les manières. Donc, tu peux m'appeler Ozoa. Ozoa. Mais en gardant Yilim, non? Ouais. Ça fait plus commercial, on dirait. Ouais, ça fait plus. Parce que j'imagine, elle est là sur la scène du Times Square ou du Madison Square Garden. Ladies and gentlemen, please welcome Ozoa. Et puis. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sur cette scène Yilim. Tu vois que Yilim, moi, parce que c'est une blanche. Entends, Ozoa, quand elle est venue, c'est elle. C'est plus bon dire avec l'accent. Ozoa, ça va? Bienvenue. Merci. Ozoa, quand tu la regardes, la première chose qui te frappe, c'est le sourire. C'est qu'elle sourit seulement. Oui, c'est son plus bel. Tu as mangé déjà la sauce graine? Non. Parce que tu as des dents si blanches. Bon, allez, on va regarder ce qu'elle faisait. Je présume, sans avoir vu le medley. Tu as tué la vie. Un bambouchec. On dit un bain, pas deux. Regardons ça. Faut pas te décourager. Faut pas te décourager. Au moins tu gagnes pour manger. C'est le dernier single en date de Yilim. Oui. Tout à l'heure, Jaël faisait référence à son look d'avant quand elle regardait les anciennes vidéos. Quand je regarde Yilim, je ne peux m'empêcher aussi de penser, de faire référence à son look d'hier. Il y a une vraie métamorphose. Ouais, quand même. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit Didi B. Elle chante en feat avec Didi B. Ben, moi, durant toute l'émission, je ne sais pas que c'est elle. Hein. Puis après, on se parle. Ah, c'était toi. Mais parce qu'elle était en mode skinny avec ouais. Nafasi. Là, elle est en mode transition. Et la migration. Je n'ai pas compris ce langage-là. Je vais trop ça, on va bien se marrer ce soir. Non, je n'aurai pas par avoir bien se marrer. On va prendre cher ce soir. Oula. Commençons cette affaire, mesdames. Exactement. Laissons tout ça, ça n'a pas aucune importance. Aujourd'hui, c'est deux groupes, face to face. On a besoin, évidemment, des noms d'équipe. Prissy? C'est Prissy le nom?
Non. C'est Priscille qui donne le nom. Les gamés. Les gamés. Je m'attendais à un truc genre orgueilisé ou un truc. C'est quand même, non? Et on a un cri de guerre déjà prêt. Hein. Ok, les gamés, il y a un cri de guerre, ok? Ça donne quoi? Ok, qui n'a yé? Attends! J'aimerais quand même rappeler... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pas compris. Je vais rappeler aux téléspectateurs que autour de cette table, il n'y a que des femmes. Donc ce cri de guerre, peut-être que d'ici la fin de l'émission, on comprendra ce que ça veut dire. Là, on est complètement largué. Et en face, qui est-ce qu'on a alors? Le nom de l'équipe, oui, du groupe, c'est les trucs-trucs. C'est les trucs-trucs. Et il y a un cri de guerre, c'est trucs-trucs. Non, non. Oh. Sommeil comme ça. Bon, allez, donc ce soir, confrontation d'un côté. Attends, tu vas avec des mains. Et de l'autre côté, les trucs. Avec le geste, c'est ouais, c'est le truc. Et là, j'ai porté ma cape de chance, donc j'espère que ça me porte. Ben, espérons-le. Voilà. D'un côté, cape, de l'autre côté, pas de cape du tout. À côté. À côté. Wonder Woman. Voilà. Cap, no cape. Bon, allez, on va démarrer parce qu'on appelle ici Qui suis-je ? D'accord. Hmm? Après ça. Oui. Ah. Ce qui va se passer, c'est que je vais afficher chaque fois, mesdames. Ah, ok. Des symboles de marques de véhicules. Il faudra me dire à quelle marque correspond. Chaque logo ou chaque symbole, c'est à vous de voir. On va tester les buzzers. Mais pourquoi ? Quelque chose à voir, c'est bon, arrête. Moi, bah, c'est vrai. Oui, c'est normal. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, Jaël. C'est bon ? On est OK avec tout le monde ? OK. Bon point, enfin, bonne réponse, un point. OK. Mauvaise réponse, zéro. Zéro. Normal. Enfin, ça dépend. Quand on va avancer dans le jeu, et les mauvaises réponses, souvent, ça fait perdre des points. Ah, oui. Première image. À quoi correspond ce symbole ? Audi. On devait avoir des. On devait avoir. À quoi correspond cet autre symbole? Je connais pas. BMW. Volkswagen. Ah oui, c'est vrai. Le truc du grandeur est un peu gamé. BMW. Non. Et ce symbole-ci vous fait penser à quoi? Quelle marque? Attends, mais pourquoi ça me l'a là? Non. Si, vous me consultez. Ok. Tu as la main, Jaël, tu as la main. C'est quoi? Tu l'as dit? C'est une Audi. Trois secondes pour répondre. Ils ont déjà dit Audi. Trois secondes pour répondre. À quoi penses-tu? Dis n'importe quoi. Mazda? Non, c'est pas Mazda. Non. Peugeot? Vas-y. Non, pas Peugeot. Mais je connais pas de voiture, moi. J'ai une Mitsubishi, wesh. C'est quoi, Opel? C'est bien. Bon, allez. Moi, j'aime pas les voitures. La suite, s'il vous plaît. La suite. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Mets les voitures qu'on a, tu mets les voitures qu'elles ont. Comme si je savais les voitures qu'elles avaient. Allez, à quoi correspond ce symbole-ci? À quelle marque? Honda. Ouais. Mais attendez. Non, c'est pas normal. Votre grande connaissance de l'industrie automobile, à quoi correspond cet autre logo? Oh là là. Lamborghini. Magda. Dis-le. Lamborghini, dis. Magda, Lexus, merci. Je rappelle. Attends, je rappelle à toute fin utile
que c'est celui qui a actionné le buzzer. C'est lui qui donne la réponse. Ah, vous pouvez consulter vos collègues, ça dépend de vous. Okay. Mais c'est vous qui devez donner la réponse. Bon, vous avez 3 secondes. Je constate pour l'instant que le véhicule de luxe ou le seul véhicule de luxe qu'on a proposé est allé de ce côté-ci. Est-ce à dire Audi, sur les véhicules de luxe. Audi, c'est véhicule de luxe. Audi, c'est véhicule de luxe. Attends, à côté d'une Lexus, c'est véhicule de luxe. À côté d'une Lexus, s'il te plaît. Non, non, Audi, véhicule de luxe. C'est pas possible. C'est pas voiture d'Iron Man. C'est symbole. Quelle marque? Mitsubishi. Ça ne marche jamais, en fait, mon buzzer. Ça marche. Allez, vas-y, tu peux tester, vas-y. On va des masterclass de ça, là. Enfin, il faut que tu sois rapide, il faut que tu sois alerte. C'est Sonia qui a pas joué son rôle, elle vous a pas su en briefer, apparemment. Septième logo. Il y a beaucoup de voitures, on n'a pas fait pack. Là, ça allait. De quelle marque s'agit-il? Vas-y, vas-y. Mazda. 3 secondes. On ne souffle pas dans le public, pour rappel. Mazda. Non, je viens de dire ça. Non, mais tu n'avais pas dit, attends. On ne souffle pas dans le public. Je sais pas, moi. Vous avez besoin de recouler au joker, vous demandez d'abord mon avis. Non, on veut joker. Le Volvo. Le joker. Non, on veut le joker. Poupette. Joker, je sais pas si... Vous voulez le joker, attendez d'abord, il faut que ce soit concentré. Joker ou pas? Ah, ok, ok. Joker ou pas? Joker ou pas? Joker ou pas? On veut pas joker. Pas joker, d'accord. Fallait dire Infinity. Ah, on l'a pas trouvé. Ah ouais. Ok, huitième image. Si. Quelle marque? Peugeot. Non. Peugeot. Toyota, c'est vrai que c'est... En plus, j'ai J'aimerais connaître le véhicule qui arbore ce symbole-là. Ah, Suzuki. Ah, oh, non. Ça, on connaît tous. C'est normal, d'accord, wesh. Mais tu n'as pas le point. Yeah. Ouais, je rappelle le score. 6-2. Ouais. Mm-hmm. À quel véhicule correspond ce symbole? Bentley. Oh là là. Yeah. Mais en gros, en fait... La réaction de Poupette, ça, elle dit ouais. C'est ce que elle tu en veux. A l'habitude, apparemment. Avant-dernier symbole pour lequel il faudra trouver la marque correspondante. Oh Jaguar. Là. Il y a un peu de luxe ici, un peu quand même. Allez, hein. Madame. Même si on ne trouve pas, moi, ni Jardino. Gervinho. Je les connais tout en plus. Non, Gervinho, je crois que c'est lui, c'est plutôt la pommade, là. C'est pas la voiture. Allez, dernière image. Dernier symbole. Honda. Hyundai. 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 Merci. Merci, Carla. Je n'ai pas bien prononcé. 9. Je suis fâchée. 2. Au terme de cette première confrontation. On va passer à présent à un de la culture nationale. Mmh. Faut laisser le haoko pour l'instant. Ah, voilà. Tu es habitué, laisse pour Audi là. Oh habitué comment? On a sommeil à vos trucs là. Oh. Pas normal. Elles aiment les trucs. Oui, on adore les trucs, c'est naturel. Le cri de guerre à la suite. Bon, écoutez, c'est pas grave. Mais est-ce que tu vois, tu écoutes la version. Ça s'appelle quoi lente, la version lente. De... Vas-y. Vas-y. Oh, Kikinaya. Yes. Hey. Tu mets mon pays après ça. On peut. Ouais. Heureusement qu'en dehors de moi, il n'y a pas d'homme sur ce plateau. On l'aurait accusé de tous les noms. Là, la c'est bâche, enfin, hein, misogyne ou je sais plus quoi. Je veux c'est même un vous, là. Hein. Allez, on compte sur toi. Non, on va passer, je vais vous donner, mesdames. Connaissance de la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle connaître mon beau pays. Je vais vous donner des noms chaque fois. Il faudra me dire le nom de l'institution qu'il préside. Ok, je vous donne un exemple. Si je vous dis la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, il faudra me dire Maître René Bourgoin. Okay. Mais évidemment, je n'irai pas la ACA. Ah, ok. Mais d'ailleurs, c'est Bailou. Ready? Un exemple. Oh là là. Ouais, c'est. Je rappelle le score. 9-2. Je vous dis docteur Eugène Akawele. Ministre de la Santé? Institution, madame. Institution. Institut de l'hygiène publique. Ah, ben je sais pas, moi. Mais donc, n'appuie pas. Docteur Akawele. Docteur Eugène Akawele. Il est président d'une institution. Président du Conseil général de l'Indonésie. Il n'est plus institution, pour le truc de la santé, institution, du coup, institution. Conseil économique et social. Acceptable. Okay. Pour être simple, il faut dire Conseil économique, social, environnemental, culturel. Le CESEC. La prochaine fois. Ready, madame? Je vous dis. Ah, il n'y a pas de photos, c'est juste des noms? Suivez-moi.
Ok. Henriette Dagry Diabaté. Chancellerie. Ah. Mais c'est la bonne formulation. Grande chancelière. Chancelière. L'institution. Il y a institution de ça. Oui. À moi tu es. La grande chancellerie. La grande chancellerie de l'ordre national. Hein? Okay. Elle est la grande chancelière, oui, mais c'est l'institution qui m'intéresse. Okay. Si je vous dis Amadou Soumaoro. Assemblée nationale. Non. En gros, en fait. Ouais. En gros, oui. En gros, arrête tes trucs, trucs. Jeannot Ahoussou-Kouadio. Non. Primature. Non. Pas du président genre. De quelle institution, mesdames? Je sais pas moi. Concertez-vous. Ah si, le Sénat. Je rappelle le score. 13-2. 13 pour les gamés. Et pour l'instant, 2 pour... The les track tracks. On fait les trucs trucs. Mais quoi les track tracks? The truc truc. On peut le dire en anglais. Track track. La mer comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit truc truc. Oui c'est ça. Elles les ont fait comme ça, mais toi tu fais ça en fait. Bon, donc, c'est inquiétant. Hein. Les trucs non, truc. C'est ça les trucs truc. Il est inquiétant. C'est bon accordez-vous sur la gestuelle et vous me dites la bonne réponse tout à l'heure. Ok. Ok. Je vous dis Mamadou Koné, président de quelle institution? Non. 3 secondes pour répondre quand on a la main. Mamadou Koné. Sécurité, je sais plus. En fait, j'en sais. Il y a une institution qui s'appelle sécurité. Faut dire voir. Eh, je te. Du tout. Mamadou Koné. Vous avez besoin de. Ministre du Transport. Président d'institution, mesdames. Mamadou Koné. Ah. Hein. Institution, les institutions de la République. Je dois voir un peu. Enfin, c'est peut-être l'institution la plus importante pour vous aider. Ministre. Joker ou pas? Joker. Bon pour le Joker. Go pour le joker, joker, oui, poupette. Dis-nous, c'est à nous, tu dois dire. Non, mais moi, là-dessus. Ça marche pas. Tu as la main, le président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême. Non, mais non. La Cour suprême. Mais on dit président de la Cour constitutionnelle. On dit quoi? Donnez la réponse à la joker. Joker, on n'a pas ça. Donnez le bail là-bas. Joker, les gars, 2 points. Elle est derrière là-bas. Joker, même est perdu. Voilà. Non, j'avance. Donnez le bail, ça veut dire. Non, il fallait dire président du Conseil constitutionnel. Oh, Mamadou Koné. La Cour constitutionnelle n'existe pas et... En gros, c'est les c'est noms, les lourds noms. C'est pas grave. C'est alors, ce qui arrive n'est peut-être pratique. Pas évident, mais je pense que vous avez la réponse, puisqu'elle a déjà été soufflée. Si je vous dis René-François Fink-Kouassi. René? La Cour suprême? Bon point. Adama Tunkara, de grâce, ne me dites pas la mairie d'Abobo. Ouais. La mairie d'Abobo, c'est pas une institution. Les trans. Oui. Non, de toute façon, tu as fait non. Non. Joker ou pas? Joker. Go pour le joker. C'est quoi? C'est qui? Grand médiation. Médiation. Hein? Médiateur. Mais on dit l'institution. Tourisme. D'un moment, il s'est un médiateur là d'abord. C'est bon? Les gars! Ministre du Tourisme. Institution. Non. Parle moi la fin. Si. Mais médiation. Je trouve dans la médiation. Ça passait pas. Non, vas-y, dis. Ministre du Tourisme. La médiation. Non, mais vas-y. La grande médiature, fallait dire. Ah, la grande médiature. Il y a le médiateur de la République. Ah, le médiateur de la République. Médiation. Okay. Allez, ce qui arrive, moi, je disais quoi? Logiquement, vous l'avez. Oui. Je te regarde Prissy. Je regarde Joël, je dis... Koulibaly Cuivière. CEI. C'est la CEI, oh là là. Oui. Voilà que son buzz, enfin, là. Allez. Cuivière, là, qui m'a un peu pété. Non, c'est pas normal. C'est folle. En fait, Cuivière, à la base, c'est passe trop vite par rapport au... Mais comme j'ai une prononciation très truc, c'est Cuivière. Ah, Cuivière. OK. C'est pour ça qu'il rajoute... Non, c'est rajouté à l'état civil. Le cuivre, comment? Koulibaly Cuivière. Oui, mais... Koulibaly encore. Ah, c'est quoi, c'est joli. Ouais, parce que le niveau de musique, là... C'est pas grave. Ah. N'Golo Koulibaly. N'Golo, il y a pas de football. N'Golo Koulibaly. Koulibaly. Non. Tu as pu pourquoi? Koulibaly. Je t'ai dit, je suis prête. Vous l'avez pas? Non. La haute autorité de la bonne gouvernance. On va terminer avec non, laissez les bons ce monsieur qui est un monsieur important. D'accord. Je vous dis Désiré Amand Paul Tanoé. Ah non.
Il préside quelle institution? Non, le papa de Marcel à Montano, non. Ancien ministre de l'éducation plutôt. Qui a tiré sa révérence il y a quelques mois seulement. Il y a quelques mois. Oh là là. Lambert à Montano, pour ne pas le citer. Ils sont beaucoup maintenant. Vous ne l'avez pas? Non. Fallait dire le président de la Chambre des rois et chef traditionnel. Désiré Amopol Tanoé. Ce qui met un terme à ce « Connais-tu mon beau pays ?» Mesdames, je rappelle le score. 15 pour les gamés et 2 pour... Grâce à la musique. OK. Les... 15, 2. C'est chaud mal, hein. 15 pour les gamés et 2 pour ça les... Ils sont vraiment gamés. Voilà, c'est ça. Gamés, c'est en haut et puis... Ouais, c'est ça. On va écouter cet extrait joué live par la T-Band. Il faudra deviner le nom de celui qui chante et le titre. Soit le titre, soit le nom. Non. Les deux en même temps. Et quand tu trouves un? Quand tu trouves un, tu n'as rien. Les autres peuvent trouver l'autre. Ouais, on va t'aider. Allez, on écoute ça. Premier extrait de ce Blind Life. Hiro Motema. Pardon? Hiro Motema. Hiro Motema, c'est à quoi que Gliss avant cette émission, elle s'assoit et elle écoute tous les titres aussi. Elle fait le truc sur la main, le buzz là. Le buzz là, elle travaille très bien, c'est une fille encouragée. Écoutons ça, mesdames. Je vous encourage à écouter ce qui arrive. Ok. Ouais, tu as la main? 3 secondes. Troisième track de ce Blind Live. Je vous recommande, mesdames, d'être très concentrées. Ça devient très sérieux. 16-3. On écoute ça. Kiki Moteleba. Tigini. Tigini. Merci. Oh, vous avez groupé, c'est Kiki Moteleba. Je commence à me réveiller. On peut faire ça. Replay. Non, je commence. Ah ouais? Je sais pas si c'est ce que tu as dit. Elles ont groupé, c'est Kiki Moteleba. C'est bon. Non, tout va très bien. Je crois qu'on n'avait pas bien entendu. En fait, en général, quand on groupe, on a trop ça, on est habitué à ça. Habitué à quoi? Quand on groupe pas, j'ai dit que... Ça ne mange pas, en fait. C'est vous qui avez envoyé à vous connaissez. Alors, je sais même pas de quoi tu parles. C'est très pas tout ça. Je vous écoute, madame. Franchement, je suis très étrangère à tout ça, ok? Désolée, ma fille. Écoutons ça. Tigini. Non. Ça prend. Non, 3 secondes passées. Non. J'aurais pu. Mais on n'a rien entendu, en gros. Obama, ça prend. Ça compte pas. Oh là là. 17. 4. 4. La honte. Non, on n'est pas. Non, tout va très bien. Jusque là. On sait même. Allez, on écoute ça. Ok. Ouais, tu en as. Elle a deux fois. Oui, François, vous n'êtes pas vous. Merci. Vous n'êtes pas
pour vous, Force One. Mais ce qui permet point, donc à l'équipe en fait. Des Gabé d'empocher un autre point. Précieux, assurément. Un point, oui, précieux. 18-4. On écoute cet avant-dernier track de la chanson Masqué. Non, le Blind Life. Masked Singer. Attends. Bon. Quelqu'un là? Non. C'est quelqu'un ici? Un peu c'est chic. Sans gêne. Oui, mais c'est la technique. Hein. Non, le son est chic. On peut répéter. Je sais pas. Tu sais pas? On peut répéter. On va tenter le alors, on rejoue rapidement. On rejoue quand même. On ne souffle pas dans le public. C'est clair, c'est moi, pourquoi? En force, pas. Pensez. Non, c'est. Pensez au nom de votre groupe. Les dégâts. Qu'est-ce que j'ai Joker ou pas? Gamme de Jay, Didi. Joker ou pas? Ouais, Joker. C'est bon pour le Joker. Vous avez? Jojo. Quoi? Ça... Serge Benoît Jodja. Tu as la main, tu as la main. Nous t'attendons. Serge Benoît Jodja. Fier de bien, faites une discagne au miel. Les roulements là tout à l'heure de qu'est-ce que ça faisait pop non ça va bien c'était chic non il y avait pas les sous-vêtements il y en avait pas en fait même un joker bon allez on va écouter ça on va écouter ça mesdames ok on y va. Chouchou bébé Salvador, moi que mon nom est gâté, un truc comme ça, je sais pas. Chouchou bébé Salvador, ça me fait. On peut arrêter, hein, parce que vraiment, tu pas du tout. 4 là. 4. On peut commencer notre week-end, hein, c'est beau. Je vous propose une chose, qu'on marque une pause. Ouais. Que vous célébriez en partie votre victoire à mi-parcours. Hein. Non, mais là, et que vous fassiez un peu les réglages nécessaires pour revenir en force après la pub. A tout de suite. Porte du week-end, opposition de style, de palabres, de voix, de fun, de rire et d'esprit tordu. Pour reprendre peut-être les mots de Jaël Bonny, je ne sais pas, puisque Sonia m'a accusé en début d'émission de tenir des propos qui vont à l'encontre de la promotion et de la valorisation de la vérité. Voix féminine. Donc j'ai décidé tout au long de cette émission de laisser plutôt la parole aux femmes pour qu'elles s'attaquent elles-mêmes. D'un côté... Les trucs-trucs. Le truc-truc. Et de l'autre côté... Les gamés. Je rappelle le score. 24. On va rester dans la musique pour le bonheur des unes et des autres. Cette fois, ça s'appelle la chanson inversée. Même principe, mais on a inversé cette fois les chansons. OK ? Juste après ça. C'est dedans aussi ? Premier track. On écoute. Oui, dis. Serge Beno, c'est dosé. Mais pourquoi t'as pas bien dit? Hey, dis que. Ah, les trucs, hein? La chanson de ses camarades, les trucs. On y va, ça va aller.
Non, j'ai pas compris. Non, mais c'est le truc. Il y a une gestuelle comme ça. Non, j'ai pas compris. Comme ça après. C'est le truc. Tu peux refaire. Pour le bonheur des téléspectateurs. C'est quand il y a c'est l'inspiration. On peut remettre la musique juste un bout. Non, 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 pardon, pardon. Bon, c'est bon, laissons cette affaire. C'est trop compliqué. Ça ressemble à un carton de... pas du tout classique, au football. Okay. Qui chante et quel titre sur cet autre extrait de la chanson inversée? Si jamais c'est Sidiki, c'est quoi le titre? Ah, c'est ça lui aussi. Si c'est pas Chimanté, c'est Collé. Sidiki Diabaté, Collé Chimanté. Sidiki Diabaté, bébé. Amen Sama. Aïe. Vous ne l'avez pas? Joker. Ah non. Sidiki. Ah, c'est chez moi de la. Oui, Sidiki Diarabi. Nantegaman. Sidiki Diabaté, comment vous faites les gars? Nantegaman. Si vous ne l'avez pas, je donne la réponse qui se rapproche le plus. On peut réécouter, c'est possible. On peut réécouter. Allez, vous ne l'avez pas, donc je vais donner. Non, je vais vous donner le nez. Le nez. Le nénéma, le nénéma. Le point, parce qu'elle a dit en premier Diarabi. C'est okay. Pas évident. Diarabi, nénébenna. Mais je l'ai dit. Ah, oui, mais c'est pas évident. Non, j'ai dit en premier. Bien fini, hein. En gros, le joker nous a dit, mais nénébenna. Diarabi, nénébenna. J'ai dit en premier. Diarabi, nénébenna. Diarabi, j'ai froid. Mon cœur, ma chérie, j'ai froid. C'est l'eau aussi d'elle. Ce soir. Ah, okay. Bon, allez. En fait, cette émission, en fait. Écoutons ça. Oui, vous avez le point. 6 pour les trucs. Nénébenna. Fabregas, Yamado. Bravo. Je commence à me réveiller. Franchement, je Fabregas, me réveille pas. Le métis noir, yeah. Yamado, Mascara. Yeah. 28. Qui chante et que chante-t-il? Bon. Écoutez, on reprend, s'il vous plaît. On peut rejouer rapidement l'excès, c'est passé trop vite. C'est un son gagné, hein, déjà. C'est un son gagné aussi. Bon, non. Non. Ils s'appellent comment? Non, non, non. Mr. Easy. Généralement, Sonia, elle envoie ces gens en brousse. Donc, faites attention. Oui. Je sais pas. Et si c'est lui, c'est quoi le titre? Ah, ok, c'est ça. Mr. Easy. Leg over. Leg over. Leg over. My baby, give me leg over. Hangover. Baby, she did give me hangover. Je te prie de retirer ce que tu as dit précédemment. Non, ça marche pas comme ça. Chef, je te prie de retirer ce que tu as dit. Sonia fait quoi? Sonia l'envoie en brousse. Retire. Qui a dit le gouvernement? La première position, c'était pas ça. On peut y aller. On va écouter. Avant dernier extrait de ce. T'es réveillé. C'est toi, c'est versé. Le réveil de la force. On écoute ce, cette question. Si tu l'as pas, vas-y, faut, ils vont entendre. Faut dire. Doucement, doucement. Doucement. Oh là là, mon Dieu. Vas-y, vas-y. Faut dire. On va appuyer ça, restez ici. On peut rejouer, s'il vous plaît. Tu as perdu quelqu'un, il y a un dessert? Non, non. On peut rejouer, s'il vous plaît. Non, non, non. On peut rejouer. Oui, oui. On va rejouer. Non, non, allez, on va rejouer. On va rejouer. Un estu de Jay Agissé. Agissé. On va écouter ce dernier extrait, c'est accessible. Attention, reste concentré, on l'écoute. Michael Jackson. Non, 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 non. Avant se blesser. Bidit Michael Jackson. Mais c'est ce que j'ai dit. Bidit Michael Jackson. Non. Ah non, c'est pas ça. Bidit Michael Jackson. Non, Bidit. Beat it, beat it, beat it.
donc Jackson, ce qui permet donc à la tritude d'un approcher un point précis. Tu as manqué un truc bien. Birit. En donnant le titre. Pilé, pilé. Oui, non, c'est qu'on comprend même pas. Birit. Oui, il y a une autre version en fait. En tout cas, pilé, pilé. Pilé, pilé. Non, comme tu l'as. Est-ce qu'on va s'en sortir? Attends, donc s'en sortir. Culture générale cette fois. Question de culture générale. Juste après ça. Question de glisse. Il y a pas de glisse là, c'est son chant. Il y a pas de glisse. Ce qui est gentil, ce qui est bien dans cette affaire, c'est qu'il y a trois propositions de réponse possibles. Mais il n'y a qu'une seule qui est vraie, juste. Il faudra donner pour approcher le point précieux. Première question. Quelle est la plus grande forêt au monde? A, la forêt d'Amazonie. B, la forêt taïga. C, la forêt du bassin du Congo. La forêt du Congo? L'Amazonie, la forêt d'Amazonie. Yeah. C'est bien, c'est bien. Un conseil au même niveau d'information. Il nous manque un point pour qu'on en ait 12. 12. Bah 11. Voilà. Okay. Il faut appuyer. Ah, voilà. N'attendez pas de la réponse. Ça marche jamais comme ça. Ok, ok, ok. Okay. D'accord. Okay. Selon la loi, on va dire d'après la loi ivoirienne, le vol est considéré comme A, un crime, B, un délit, C, une contravention. Un délit. Mais ça marche pas. Flagrant délit, oh. Yeah. En quelle année a-t-on disputé la première Coupe du Monde? A, 1929, B, 1930, putain, C, 1931. Bah, au pif, 1930, je sais pas. Non. Ah oui. Quelle est la capitale, d'après vous, mesdames, de la Tanzanie? A, le Swaziland. B, Durban. C, Dodoma. Swaziland. 3 secondes. Swaziland, en plus. A, non. C. Ce sera ta dernière réponse? Mon chef, on peut que c'est ça. Bon point. Si, si, bon point. C'est 21. Tu as dit, allez, en Swaziland. 14. Qu'est-ce que, d'après vous, un dithyrambe? A, un écrit satirique. B, une farce burlesque. C, un éloge enthousiaste. Un éloge enthousiaste? Je savais que c'était ça. Il n'y a pas de glisse. D'où l'expression dithyrambique. Il n'y a pas de glisse. Je vais me faire fort de rappeler le score gamé. Tout de même. Il y a trois gamés. Vous êtes... très chère dame de la team des trucs trucs, vous êtes à 14, position stationnaire, et 22 pour les gamés. En français, on va arriver aux expressions consacrées. Il n'y a pas de proposition de réponse là. Okay. Suivez bien, écoutez bien. En français, quelle expression relative aux animaux est utilisée pour signifier être complètement à l'aise? Comme un pacha? Pacha, c'est quoi? C'est un animal. Ah ouais, c'est vrai. Ah non. Il faut qu'il y ait le malaise, il faut qu'il y ait le nom d'un animal dedans en fait. Vous avez compris? Par exemple, je me suis donné un mâle de chien. Oui, enfin, on a vu nous sommes compris. On essaie de formuler bien là, oui. Formuler bien la phrase. Être complètement à l'aise. Vous l'avez pas? Vas-y. Fallait dire ce. Oui. M. Se sentir comme un poisson dans l'eau. Oh là 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 là! Restons en français toujours. Quelle expression relative aux animaux est utilisée pour signifier avoir d'autres choses à faire? Ah! Un chat fouetté! Ah putain! Dans la langue française, quelle expression relative aux animaux est utilisée pour signifier renoncer à trouver la solution? Donner sa langue au chat. Non! Ouais, c'est ça. Avant-dernière question de ce test de culture générale en français, quelle expression relative à l'environnement cette fois est utilisée pour signifier obtenir deux résultats avec une seule action? Oh, deux poids, du pierre deux coups. Deux poids, deux mesures, non? Ouais, ça. D'une pierre deux coups. Merci. Non, mais je n'aurais pas buzzé. Je n'aurais pas buzzé. Ah, d'accord. Tu n'as pas buzzé, c'est ce que je disais. Tu n'as pas buzzé. Tu n'as pas la main. Voyez. En français. Quelle expression relative à l'environnement, toujours, est utilisée pour signifier beaucoup d'agitation pour pas grand-chose? Dis-moi si tu l'as. Relative à l'environnement. Dis-moi si tu l'as. Il faut qu'il y ait une référence à l'environnement.
Vous n'avez pas? Oh là là. Attends, il m'a dit, ça va être dit. Tellement vite. Ton envie de faire beaucoup de bruit. on dit quoi là? Faire une tempête dans un verre d'eau. Ah, oui, ok, oui. Non, d'accord. Ça, c'est bon. Il faut faire une tempête dans un verre. Allez, on est à 24. Mais tu imagines, c'est 15. On va passer à présent à quelque chose d'assez sympathique. Plutôt relax. Mmh. Okay. Ne vous stressez surtout pas. Comme ça, laissez aller votre cœur. Ça s'appelle Arrête-moi si tu peux. Seigneur, ta grâce. Non, on va causer normalement. Chrissy, deux minutes de conversation. Il ne faut pas redire quelque chose que vous aurez déjà dit dans la même conversation. C'est simple. Après, si je te parle, je dis Yadra, tu dis Yadra. Si je ne pas le problème, c'est que toi, tu dis. Donc, quand tu nous fixes là, ça nous déconcentre. Arrête-moi si tu peux, juste après ça. J'ai besoin de quelqu'un de part et d'autre. Quelqu'une de part et d'autre. Moi. Mais là, pourquoi vous me regardez? Ce sera toi. On te regarde. Poupette pour le compte des trucs-trucs. Ok. Et Prissy pour. Je me jette à l'eau. C'est une expression française. Ok, très bien. On va démarrer. On adore, on adore. Qui va démarrer? Qui va démarrer? Ce sera toi. On va démarrer. Très bien. Tu vas actionner le buzzer et dis arrête-moi si tu peux. C'est ce qui déclenche la conversation. Ah d'accord. Ok. Quand t'es ready, tu dis, ben, arrête-moi si tu peux. Je vais pas répéter le même mot deux fois. Dès que tu as donné le mot, tu dois plus répéter. Ça marche. C'est bon. On essaie. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Ok. Top chrono. C'est quoi le nom de ce qu'on va faire maintenant? J'ai pas retenu. C'est quoi le nom de ce qu'on va faire, ce qu'on va faire là maintenant? J'ai oublié. Pardon? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? Oui. Pourquoi tu sais pas? Je suis pas concentrée. C'est toi que j'ai choisi parmi... Pardon, excuse-moi. Fais pas attention à ce que je dis, vas-y. Désolé. Ça marche. Oui, donc je t'écoute, ouais. Tu disais... Je réfléchis. À quoi? Je. Mm-hmm. Je dois pas dire je. Ça fait deux fois je dois pas. Non, on a dit phrase. On a dit quoi? Mot. Hein? Go. Quoi? À vous. Tu parles français? Très bien. Tu parles bété? Bien sûr. Hein? Go. Comment on dit? Ça fait deux fois go. Ça fait deux fois. Non, j'ai dit agou et go. Tu avais dit go, madame. Maintenant, c'est vrai, dit agou. Là, il n'y a pas fait les bêtises, la grosseur. J'ai oublié moins un. Non, mais attends, c'est terrifiant. C'est ma bénédiction. Pas si ta bénédiction. Vous tombez à 23. C'est terrifiant. Ça serait un truc de dingue. Je vais me tourner vers les trucs-trucs. Oui, on avait dit. Ah oui, c'est Poupette. Poupette, ça va? Ça va. Je rappelle le score. Vous êtes à 15. On va remettre le chrono à zéro, évidemment. Elle doit d'abord actionner et dire arrête-moi si tu peux. C'est le principe. Arrête-moi si tu peux. D'accord, très bien. Top chrono. Ça va? Ça va. Qui coûte tes tenues généralement? Quand on tarde, tu sais qu'on perd des points. Quand on tarde, on te rajoute des secondes. Mon petit frère. Au revoir. Merde! Vous tombez à 14. C'était trop concentré. Moi, 14. Ce qui met un terme à s'arrête-moi si tu non, peux. Faut qu'on fasse. On peut arrêter vraiment. Qu'on fasse aussi. Non, si vous avez perdu, déjà, c'est bon. 23-14. Pub. Seigneur, ta grâce. On a eu. Sonia, de Jaël, de Poupette Star, de Prissy, la dégameuse, de Yilim et de Gliss. Je rappelle le score. 23 pour les gamés, à ma gauche et à droite des téléspectateurs. Et 14 pour les trucs-trucs. Voilà, à ma droite et à gauche des téléspectateurs. On va passer à présent à ce qu'on appelle le one-to-one. Destin croisé, non, destin individuel. Je vais vous poser la question chacune. Mais je suis gentil, je vais vous poser qu'une seule question, au lieu de deux. On marque des points, pense. Non, vous perdez là des points. Vous gagnez, oui. Bonne réponse plus un, mauvaise réponse moins deux. Ah,
Yes. Non, mais comme si ça ne suffisait pas, chef. C'est wow. toi que j'ai choisi. Voilà. Ça tourne dans la tête, je ne sais pas. C'est joli. Ce gimmick, c'est joli. Hein. Oh. Après ça. On va aller totalement dans des questions d'orthographe. Pour voir, d'après quelqu'un, qui allait à l'école, qui allait vers l'école. L'école. Qui prenait l'ardoise pour lapider mangue, et puis qui prenait l'ardoise pour écrire dessus. Où qu'on commence, ça dépend de là où on vient. Extinction totale des lumières. C'est solo. Seul. J'adore le noir. Ouais, mais tu seras à la lumière dans quelques instants. Je vais me tourner vers Sonia. Sonia Guiza. Sonia Guiza, pour qui j'ai juste une question, ce sera une phrase. Orthographe. Sonia, il y a une phrase qui va s'afficher, je te la lis tout de suite. Plutôt facile, je pense. C'est quoi la langue quoi ? Lui demande le petit garçon. Comment écris-tu les deux quoi ? Il faudra actionner le buzzer avant de répondre. 15 secondes pour répondre. C'est quoi la langue quoi ? Lui demande le petit garçon. 15 secondes, buzzer avant. Aucune idée, moi. Alors, le premier quoi, c'est Q-U-O-I. Le second quoi, je ne savais même pas qu'il y avait une langue qui s'appelait quoi. K-O. On ne souffle pas. K, comment ? K-O-A. Ce sera ton dernier mot. 5 secondes. Bah, écoute. Toi, tu aimes jouer à réputation des gens. 2 secondes. C'est que je peux rien dire d'autre. C'est tout. Vous tombez à 12, perdez 2 points. C'était W. Le quoi, la langue, c'est K-W-A. C'est quelle langue ça? Ça vient d'où? Je vous expliquerai après l'émission. Extinction de lumière sur Sonia. Je vais me tourner à présent vers notre cher Jaël. Toi, je vais enlever mes lunettes. Pour qui j'ai une question? Pour qui? J'espère qu'elle va répondre juste. Oh, mais j'espère aussi, hein. On est deux. Allez, autographe toujours. Elle a décoiffé sa raie en s'abaissant pour observer la raie de lumière sous la porte. Comment écris-tu les deux raies? Elle a décoiffé sa raie. Oui. En s'abaissant. Pour observer la raie de lumière sous la porte. Raie de lumière. Ouh là là. Buzzer avant. 15 secondes. Ma première... Enfin, c'est R-A-I-E. En s'abaissant pour observer l'arrêt R-A-I-E. Ce sera ton dernier mot? Je ne sais pas du tout, du tout. Vous tombez à 10. Et... Du tout. On peut. Deuxième rêve, elle a dit R-A-I, tout simplement. Ah, bon, je savais, je ne connaissais pas le mot. Ouais, je m'en doute bien, visiblement. Extinction de lumière, je vais me tourner vers Poupette la star. Ouh là là. Pour qui j'ai une question du même style. Première question ou la deuxième et dernière? Cette partie de tennis nous aura ravis, surtout le deuxième set. Cette partie de tennis nous aura ravis, surtout le deuxième set. Comment écris-tu la deux sets? 15 secondes. Buzzer avant. On ne souffle pas, Jaël Bonny. Reprends, s'il te plaît, la question. Cette partie de tennis. C-E-D-2-T-E. Nous aura ravis, surtout le deuxième set. On ne souffle pas dans le public. 5 secondes. S-E-R-T. Non. Attends, non, c'est... 5 secondes. On ne souffle pas dans le public. Attention. Pas de mimique et rien. Surtout le deuxième. Quel est ton dernier mot? Timing up. Ta dernière proposition, donc, c'est? C'est mort. C'est mort? C'est mort. Vous tombez à 8. Bonne proposition pour la première, 7, C-E-2-T-E, et deuxième, 7. Une partie, tout simplement. Extinction de lumière sur Poupette Star. Je vais me tourner à présent vers l'équipe des gamets, amenée pour ce premier, cette première tentative par Prissy, la dégameuse. En formant évidemment le vœu sincère qu'elle ne dégamera pas sur ce coup-ci. Une question pour elle. Question un peu malicieuse. Non, je rigole. Ce mal de ventre m'empêche de porter cette malle au grenier. Comment écris-tu les deux malle? 15 secondes, buzzer avant. C'est attention, on ne souffle pas. Buzzer. Ce mal de ventre. Buzzer avant. 15 secondes à présent. Ce mal de ventre m'empêche de porter cette malle au grenier. Ce mal, M-A-L.
Et cette malle, M-A-L-E. Ce sera ton dernier mot. 5 secondes. Oui. Wow. Vous tombez à 21. Ah, c'est quand c'est loup, ça met 2 L. Mal, 2 L. Quand c'est vite, deuxième c'est 1 L. Absolument. Ah. Extinction Lumière sur Prissy. Je vais me tourner à présent vers Ozoa. Ozoa Yilim. Yilim Ozoa. Normalement, c'était pas ça là avant. C'est qu'un nouveau jeu, ça là. C'est vrai, on va recevoir de Kif Mobit aussi, ici, le 5. On va faire la même chose. Et de grâce, ne nous dites pas que vous n'êtes pas disponible. Hein. Parce qu'on vient de le dire officiellement. Si un dit qu'il n'est pas disponible, c'est qu'il ne voulait pas venir. Comme il pleuvait, j'ai pris ma cape et j'ai mis le cap vers un abri. Mmh. Comment écris-tu les deux capes? Comme il pleuvait. 2 heures avant. Ma cape. Okay. Ouais, comme il pleuvait, j'ai pris ma cape et j'ai mis le cap vers un abri. Plutôt généreux comme phrase, je pense. Oui. 15 secondes. Pardonnez. J'ai pris ma cape. C-A-P. On ne souffle pas à plateau, s'il vous Pardon. Plaît. C-A-P-E. J'écoute, hein. J'ai mis le cap. Ça? Oui, C-A-P. J'ai mis le cap vers. Ce sera ton dernier mot? Oui, ça. Je vais monter à 22. Allez, un peu souffler maintenant, la pauvre. Extinction Lumière. On va se tourner vers Gliss pour le dernier round de ce one-to-one. Alors, ma chère Gliss. La Gligli. Gliss, un ou deux? Le pays terrial. Un ou deux? Un? Non, deux pour Gliss. Un ou deux? Non, c'est pour ça. J'ai deux phrases, mais tu dois en choisir une. Je vais être gentil, je te laisse le soin de choisir la phrase que tu préfères. La première ou la deuxième phrase? La deuxième. La deuxième, très bien. Je vais à la sellerie pour équiper mon cheval et après je me fais une soupe au céleri. Comment écris-tu les deux céleri? Franchement, tu leur as donné des trucs. Buzzer avant. Buzzer. Silence plateau, s'il vous plaît. Je vais à la sellerie pour équiper mon cheval et après je me fais une soupe au céleri. Première céleri, S-E-2-L-E-R-I-E. Deuxième, C-E, accent aigu, L-E-R-I. J'ai dit céleri. Ce sera ton dernier mot? Céleri. Pour le deuxième? Une soupe au... Oui, et c'est quoi ta proposition? 5 secondes? J'ai dit quoi? J'ai dit premier... Tu as dit C, accent aigu, L-E-R-I. C'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est ce que je retiens? Donc on va dire C... Je ne sais pas, je demande juste... 5 secondes. Première, céleri, donc j'ai dit S-E-2-L-E-R-I-E. Deuxième, céleri, bon, S-E-L-E-R-I. Ce sera ton dernier mot? Oui. La première proposition était presque bonne. Il y avait plutôt une erreur sur l'accent. Tu as dit accent aigu au lieu d'accent grave. Ce qui vous fait tomber à 21. Donc, ce qui met un terme donc à ce one-to-one. Je rappelle le score, 21 pour les gamins. Non, c'est 20. 21 pour les gamins. C'est chèque l'animateur. Oh, okay, okay. Pardon. Oui, absolument. Absolument. Moins 2. Moins 2 de toute manière. Bon, c'est 20. Mais avant de voter, c'est bon, 8 pour les trucs, que vrai. La lumière soit. Ah, olé. Et la lumière est allumée. Allez, ça va aller très vite à présent. Ça va aller très vite. C'est on va passer de à présent. À toi, mais Notre avoue que l'homme a été. Ça va aller, alors, ça va aller très vite. Et qui a trouvé? Ah, c'est quoi? C'est fait de manière aléatoire? Je sais que c'est aléatoire. Qui a trouvé les mots? Ok, attendez, on fait une exception. Qui a trouvé les mots? On fait une exception. On n'a même pas trouvé. Attendez, on va laisser quelque chose. Attention. C'est un piège là. De façon aléatoire, donc je prends une phrase pour Sonia. Quelque chose de très simple. Ok, vas-y. Et je prends tous les téléspectateurs à témoin. Il feint de n'avoir pas faim. Comment écris-tu les deux fins? Il feint. Il feint, donc F-E-I-N-T. Il feint de n'avoir pas faim. F-A-I-M. Ce sera ton dernier mot? C'est quoi? Pourquoi tu as pu... Ah, mais on a fini le jeu, on n'a pu pas. On l'a peut-être. Ce sera ton dernier mot ou pas? Oui, chaque fois, moi, je veux savoir quelque chose. Ça n'a rien à voir avec nos points, là. Non. OK. Allez, on va aller à ce qu'on appelle à la fin de l'heure. Oui, on Mesdames, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ok. C'est que c'est une mauvaise nouvelle. On n'a qu'une minute pour le halak et le leu. Ah zut. Je rappelle le principe. Gagné, je vais donner un mot pour démarrer. Il faudra utiliser la dernière lettre du mot pour construire un autre mot.
On ne redit pas un mot déjà employé par quelqu'un autour de cette table. On n'emploie pas de verbe. De grâce, ne me fais pas du DJ Mix qui a dit Edwige. OK? On ne veut pas de nom de ce type. OK? Pas de prénom? Pas de prénom. Nom de pays possible. Exemple, si je dis sorcier, que je te regarde, il faudra me dire rire peut-être. Ouais. Parce que sorcier, c'est R. Vous avez compris le principe? C'est bon? Ah, OK. C'est okay. bon? OK. Ou rat. OK. Peut dire oui, oui, oui aussi. Mauvais point, vous perdez un point. OK? 28. On démarre cette affaire. Oh, là là. Je dis là-bas pour Jaël. Sable. Super. Glisse. Éminent. Sonia. Travail. OK. Précis. L'âme. OK. Ozoa. Équitable. Super. Ozoa. Écoutez. OK. Participe passé, hein, parce que pas de verbe à l'infinitif. On est d'accord? OK. Super. Poupette, écoutez. On peut École. OK. Jaël. Élégant. OK. Sonia. Troubadou. OK. Sonia. Ralenti. Troubadour ralenti. Glisse. Troubadour, j'ai dit. Oui. Imagination. OK, parfait. Ilim. Néant. Néant. Précis. Travail. OK. J'ai déjà dit. Moins un. Vous tombez à 19. Moins un. C'est le moment de en fait. Jaël. Dernier tour. André, le concours va changer. Hein. Moins un. Allez, on termine. Dernier tour. On termine. Attrapez-moi là, je me calme. Dernier tour, je dis cap pour toi. À étal. OK. Poupette. Fais le tour. Étal, elle. Mais oui. T'as rien dit. Luminaire. Non, j'ai encore rien dit. Ah. Écran. Nation. Parfait, précis. Noir. Mmh. OK. Quel noir. Quel noir. Lime. Rare. OK. Sonia. Élevé. Jaël. Épluché. Poupette. Moins un. Je me pète à ça. Alors, ce sera tout pour... Ce sera tout pour ce... Pour cette part du week-end. Je peux emporter la tasse. On verra. Tu n'as pas gagné. Je rappelle le score. 19 pour les gamés. Attends, mais 6 pour nous, c'est pas drôle. 6 pour les truc-truc. Les tic-tic, pour les truc-truc. Victoire, donc, des gamés ce soir. Ah ouais. Pour la société. Une pause, le temps de permettre à Jaël Boli de s'installer pour nous offrir ça. Un petit live, juste un titre, pas beaucoup, juste un titre, pas beaucoup, OK? Après la pub, à tout de suite. Tu l'attaques là-bas. Des gamés amenés ce soir donc par Gliss, par Yilim. Merci d'être passé nous voir, Yilim. Merci aussi. Tu viendras chanter? Ouais. Live? Bien sûr. Ça sera super. Ouais, pas de playback, hein, live. Hein. Non. À bientôt. Peut-être la semaine prochaine? Ouais. On verra. On verra pas, on va venir. Il y a drôle de femme, là. Oui, il y a drôle de femme. Il y a drôle de femme. Et il y a Miss Noire et Belle. Tu es encore dans le casting? De drôles de femmes déjà. Toujours. Miss Noire et Belle. Oui, c'est Miss Noire et Belle. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Le 11 juin. 11 juin? Oui. OK, très bien. J'imagine que Gliss, non, elle est exclue tout de suite. Elle est naturelle. Ah, ça doit être naturel. Ah, OK. Poupette pourrait? Naturelle. OK. Poupette, merci d'être passée nous voir encore. Désolé pour les trucs, enfin pour la défaite. Sonia? Pas grave. Yako? Ouais, ça va aller. Ça va aller. Je vais prendre chanteuses aussi dans mon équipe, je pense que c'est ça aussi. Elles sont tellement concentrées sur la prestation de la fin que... Ah, c'est une affaire comme ça. On y songera la semaine prochaine. Merci beaucoup, mesdames. On n'oublie pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Alors, Jaël Boni.
va essayer de consoler son équipe et puis évidemment féliciter l'équipe gagnante. Il se trouve qu'elle est aussi très fan d'une certaine Chantal Taïba et ce soir, elle a choisi de nous offrir un remix de ce titre à succès de Chantal Taïba, Le Jour. Et d'après elle, c'est une sorte de demande en mariage. Non, enfin, une demande de featuring. Appelons ça comme ça. Jaël Bonny, live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve lundi d'ici là. Take care. Le Jour remix signé Jaël Bonny. Great job. Bravo.